Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxi Moulin, on se retrouve pour la suite de GTA V. Et maintenant, je fais partie du truc de sécurité censé protéger mon truc. Donc, comme je disais, je fais mon propre truc de sécurité parce que je peux plus leur faire confiance. Donc, autant m'engager moi-même. C'est qui parle? C'est moi? Ok, je suis fou. Et donc là, allez, c'est parti, on va acheter ce putain de truc avec tout le fric que j'ai eu. Oh ouais. Oh ouais. Et avec un peu de chance, je pourrais acheter tous les autres cinémas vu que ça rapporte gros, hein, celui-là. Ouais, ça rapporte gros. Ouais, là, c'est faisable, hein. Avec tous les autres trucs que j'ai acheté, alors là, normalement, au bout de quelques mois, ça devrait le faire, hein. Ouais, même au bout d'un an, au pire, mais bon. We got through it. It was close. We made it. For sure. I mean, shit. We were real lucky there. We should have never managed that. That was crazy. I mean, even by my standards. Certainly crazy by mine. Let's roll! Allez, viens, t'es Trevor, et grouille ton cul, là. Ladies, let's go get our nails done. Well, gents, we did it. Damn straight. Yes, quite a journey. We robbed the feds, we streaked the IAA, we boosted a huge pile of gold, and we defeated a private army and its billionaire investor. That's the way you retire. But most importantly, Frank, is that we learn to not be snakes. You got that? Yeah, sure. Because if you learn too much from Michael and not enough from Trevor, then you're doomed. Before you know it, you'll be faking death, stabbing backs, and taking plea bargains. Yeah, as opposed to eating joggers, smoking meth, and molesting sailors. It's not molesting if they're lonely. It's patriotism. You're not even American. I am. Fuck you. Yeah, whatever you say, eh? Allez, on y va. Allez les gars, on y va parce que je dois aller au boulot après. Oh, se grouiller. Hey, we should like drop the married dude off and just like do some single dude shit. Yeah, you know, we wouldn't want our married friend here to feel any temptation. Hey, whoa, I can come along. I abstain. Don't you worry about me. Oh, I'm worried about him. Frank, you worried? I like the dude, but do I trust him? I don't know. He ain't got a great record for trust. Oh, that's a good point. Good. Let's get rid of him. Let's think for his family, for us, and above all, for him. Hey, screw both of you. You don't want me here? I'll walk. I'm sick of getting ganged up on anyone. Now he's in a mood. I guess he's gotta stay. I told you we should have waited till his ass was in the can and just booted. Yeah, next time. Yeah. Assholes. Allons voir un bon film. To watch the end of that crap. It's good. So let me ask you, Mikey. Now everything is more or less done and dusted. There's one thing I haven't quite figured out, but I know me and Frankie have both wondered about it. What now? Have you ever considered plastic surgery? I mean, or lipo? I mean, you're a very vain man, but you're also aging terribly. And I think I'm doing okay. Okay, right. Great.
It's like you said, Frank. Denial is a very powerful drug. I never said that. Allons boire! Ouais! On est cons. Ah non mais là, franchement. Alors, on peut plus, hein? On a bu combien de litres aujourd'hui? Get out of here! Hey! Fuck! Seeing five of your ugly sellout face. I love you. Enculé! Ouais! Saloperie de voiture! Voilà! Merci! Bon alors! Depuis quand j'ai cette tenue? Ah ouais, c'est depuis que je bosse pour les autres, là. Y'a pas de raison qu'il y ait que le connard Michael qui bosse. Salut. Ça va? Oh, oh. Ah, c'est ça que Ron m'a dit. T'aurais pas pu me le dire plus tôt, Ron. What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me. You never visited. What? I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? No. Mais non, je suis bi. This is all about. Oh. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, nothing! Not a peep! I carried you in... C'est ma faute! C'est Michael! I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself, ashamed of me, of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink, or a cigarette, or massage my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? J'ai une bite! Et toi, t'as une belle chatte! It's okay, son. Oh, that's it now! Here I am, old and tired and alone. Who's in jail for everything? Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Look, I got money. I don't want your goddamn money. Is that what you think I am? A prostitute? Still, you're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Deludamol. Who can do that? A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones, the 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Maman, il faut que je trouve un fourgon. Ok, je vais chercher. Il passait où, Ron? Ron! T'as voulu que ce soit lui qui aille les chercher, bon, pas grave. Allons-y, depuis quand j'ai ce véhicule? Oh, by the way, that's entirely your fault. Ouais, voilà la camionnette. Ah, c'est nickel, c'est ce qu'il me faut. Putain, voilà, j'ai le bon déguisement en plus. Ça vous choque pas? Putain, je suis en train de voler leur véhicule, ça les choque même pas. Allons-y. Maman, j'arrive! À
avec tout le truc là. Maman, j'arrive. Il ouvre ce PD drone. Maman. Il est où le camion? Il est où? Oh non! Elle s'est barrée avec! Non! Elle s'est barrée avec! Elle fait chier! Non, je vais peut-être pas faire exploser tout le truc. Tu vas me présenter ta mère ou pas? Ren, il est où ce PD? Je l'ai pas vu depuis un moment. Il habite dans un club de striptease, on dirait que les rêves se réalisent parfois. Ouais, tu as eu des nouvelles de Floyd et de Debra récemment? Oh, lui, il pose trop de questions, il faut que je le bute. Tu es jeune, tu as faim, j'aime ça. Un requin a toujours besoin d'un bon poisson pilote. Bon, alors, on laisse tomber le forum drive, le caïd. Ouais, qu'est-ce que t'as fait à Scratch? Il dit du mal de toi dans Los Santos, maintenant il dira plus, Devin. Tu as du potentiel, Franklin, pour Raspa, des Ristunitus, t'entoure de... Bon, à rien, tu viendras toi-même, bah t'es mort, connard. C'est vrai ce qu'on dit, que tu fais la gâchette pour les jeunes mains en ce moment, toi tu vas mourir. T'as encore assuré, continue comme ça, je sais que je prendrai soin de toi, ouais, ça c'est vu ça, hein. Reste dans l'équipe de Weston, tu vas être mineur. Denis Keita, je suis tombé sur Tanisha et son nouveau mec aujourd'hui. Bon, je l'ai vu et je crois qu'il est temps que tu tournes la page. Ouais, je l'ai pas encore vu, mais je pense aussi. Je t'enverrai bien la facture de notre virée du jour, mais ça te mettrait sur la paille, on est passé à un niveau supérieur, il doit pas y avoir un petit. Je me demande ce qu'il vient, Dom. T'es encore vivant, quoi? Est-ce qu'on se fait une partie de FUD? Le Maz Building, à rayer de la piste, c'est fait et bien fait, voilà. Je veux que tu mettes ça dans un miroir, que tu te baisses. Oui, je raconte. Je lis pas la suite. Travel Clinton, ah ouais. J'ai peut-être bien fait de venir ici, finalement, c'est de la folie à Los Santos en ce moment. Fais gaffe à toi. Ouais, merci frérot. Pour qu'il se prend cet enculé de milliardaire, hippie, végétarien, sociopathe, à nous prendre pour des cons avec son notre pognon. Ouais, la marre. Tanisha, t'as fait ce qu'il a fait, Franklin, crétin qui t'aime, c'est mieux que pas de crétin du tout, sois heureux. Ouais, Tanisha. Je crois que je vais me mettre dans mon cheeseburger, je vais me tuer les ongles, la marre. Ouais. Lamar, tu es sur le forum de... Ah, Tonya, que de souvenirs. Ah, je me chier pour une grosse arnaque. Les fricains en costard fermeront jamais la parole. Ouais, je vais faire mes affaires dans mon quartier. Ouais, faut pas sortir, ouais. M'habiller au... Mec, réponds au téléphone, sans racine, on peut pas pousser, ouais. Ouais, ouais, il raconte toujours des conneries, Lamar, hein. Je viens de recevoir une invitation à une avant-première. Ça fait des années que j'avais pas reçu autre chose qu'une facture ou une convocation au tribunal. C'est vrai. Ouais, moi, toujours buté les gens. J'arrive pas à croire que t'es producteur de films. T'es presque cool, papa. Connard. Presque, je suis cool. Pourquoi il l'a posté deux fois? Oh, putain, il a dû se planter. Tracy de Santa... Tu disais que tout irait bien, c'est vrai, si on oublie les soldats cyborgs armés jusqu'aux dents dans ma chambre, hein. Je reviens dans quelques jours, il va falloir faire un peu de ménage, madame. Esther, on fait des réunions stratégiques dans un club de striptease maintenant? Tu laisses vraiment Philippe essayer de tout en ce moment. Waouh, on peut plus s'amuser. Oh, Lester, il est chiant. J'ai retenu la leçon, j'insulterai plus personne en ligne, sauf si c'est parfaitement... Ah, Jimmy. Ah là là, j'ai envie de te coller une balle. Tu peux prendre ta retraite pour de bon cette fois. Ah, Lester. Ah, il va me manquer ce Lester. Hein. Ah, il va me manquer. Ah, suite à une grosse rentrée d'argent inattendue, ouais, j'arrête officiellement mes activités dans le textile. Et je crois qu'il est temps d'agrandir la maison. Rien de tel que de retrouver entre amis pour entuber le gouvernement. Encore des frictions avec les employés de l'usine. La production a été repoussée jusqu'à nouvelle. C'est toujours pareil, on peut... Rien fabriqué dans ce pays.
Le motel Sandy Shore, ouais. Ah, Lester. Ouais, ça me manque. Jimmy pourrait bien se trouver un travail et Tracy pourrait aller à la fac. Que se passe-t-il? Bonne question. Je suis la femme d'un producteur de films maintenant, ouais. Tout ira bien, chérie. C'est ça, jusqu'à ce qu'une armée de dingues s'introduise chez nous. Je te jure, les mecs de la sécurité, ils ont entendu parler de moi, là. Hein. J'ai porté plainte, je suis allé chez eux, j'ai tout explosé. Les membres de la famille de Santa arrivent presque à se supporter, c'est bizarre, je sais pas si ça me plaît. Apparemment mon père est devenu producteur de films et ma sœur star de télé-réalité, faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie maintenant. Pour la première fois de ta vie, t'as fait un truc qui demande du courage. Ah, c'est génial, pour une fois qu'ils s'engueulent pas. Je suis un héros, j'ai fait un teabag à un assassin des forces spéciales, et pas dans un jeu cette fois. Ouais. Chacun son triomphe! Allez tous voir Pétage de plomb, enfin Meltdown. Hein. C'est tellement nul que c'en est génial. Faudrait que je le regarde avec Franklin. Non, Trevor, il va dégommer l'écran au bout de 30 minutes de film. Je préfère pas. Avec Franklin. Vous savez, ce scénariste de comédie à qui j'ai fait des critiques constructives sur le net, apparemment il n'a aucun sens de l'humour. J'ai des fans obsessionnels maintenant, hashtag rançon de la gloire. Ouais. Si j'avais su que la masturbation de singe allait devenir à la mode, j'aurais participé aussi à la Star Autocar. La finale de Star Autocar était géniale, j'ai regardé ma performance au moins 100 fois. J'arrive toujours pas à croire que j'ai pas gagné. Bon, ça aura pas duré longtemps, mais on dirait qu'on va encore déménager. Et j'ai problème de mise privée, entrée par effraction. Hey Jim, it's Pop. I'd like to see you, bud. So now he's feeling lonely, is he? All right, let's do something. Ouais, vache, t'encule, Jimmy. Qu'est-ce que tu fous toujours dans ce coin, glauque? Allez! Father, always a pleasure. Merci. Good to be a family again. So happy to have you all back. All that fighting was kind of shitty. Well, it's gonna be better now. I promise. You know, it's not all just, like, magically better. You can't take Mom for granted again. And, like, Tracy, I'm still kind of worried about her. How so? I mean, what's she doing with her life? What are you doing with your life? I don't want to be famous. Unless it's, like, famous in a cool way. Trace will grow out of that. And hey, when I'm a big movie producer, maybe I'll make her famous. I think you should talk to her. She'll go to college. She'll forget about the fame crap. She'll be fine. Trust me. I just thought I should say something. Thanks, Jim. You should. Oh, and when you're a big movie producer, can you make me famous? No, Jim. You've got other talents. C'est fini, Jimmy! Really? Non, je déconne! Qu'est-ce qu'on est venu faire à la maison, en fait? Bonne question. Ow! Mother, I reloaded! Quoi? Il était pas bien, ce verre. Ah! Ah! Voilà! Alors, Jimmy! Reloading! T'as plus de trucs, maintenant! Qu'est-ce que tu dis, connard, hein? Bah, c'est pas tout ça, mais je vais me coucher, hein. Salut, Jimmy! Bonne nuit! Ah! Bonne nuit, Jimmy! T'es prêt? Look out! So I've got some good news. Hit me with it. You'll be happy to hear. I stopped dealing drugs. You've lost the one job you had. Why would I be happy about that? But you don't like weed in the house. I want you to stop smoking it, not dealing it. You need some income. Excuse me? Jimmy! Attrape!